Bonjour à toutes et tous, nous sommes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes de Haute-Provence et nous sommes début juillet, après un mois de mai, comme chez tout le monde, bien frisquet. En plus moi j'ai dit ça y est, c'est arrivé, et puis j'ai un peu laissé les coffres ouverts la nuit, ce qui n'a pas été dramatique puisqu'il faisait 10 degrés, mais j'aurais pu avoir 17 quoi. Et ça aurait sans doute donné un petit coup de boost. Enfin bref, c'est pas grave. C'est une vidéo courte pour. Vous savez qu'on a semé très tôt pour faire des tests de semis précoces au mois d'octobre, puis après au mois de janvier, etc. Et donc, il y a eu aussi des levées spontanées. Et c'est très intéressant parce que les levées spontanées permettent de comparer, et bien évidemment, la pousse, la croissance entre les semis précoces. Même si, à mon avis, ils n'ont pas été optimisés, donc entre les semis précoces et les semis spontanés, c'est-à-dire en fait les graines qui ont germé quand elles ont voulu, quoi, tout simplement. Donc là, vous avez sous les yeux, par exemple, un exemplaire de semis en tube qui a été fait. Alors, je pense que celui-là, il date de janvier. Hein. Vous avez celui-ci qui est plus ancien, qui date de l'automne dernier. Vous avez là du janvier également, et puis vous avez dans le même coffre un semis spontané là. Alors il faut pas croire que c'est juste à côté du tube, c'est un plant qui s'est levé, qui est sorti tout seul, une tomate qui avait dû être oubliée l'an dernier. Alors faut pas confondre, ça c'est de la patate. Donc vous voyez que ma foi il est très très bien, enfin disons que de toute façon, comme on n'y est pour rien, il est ce qu'il est, et il a fait ce qu'il a voulu. Et vous avez juste derrière celui-ci, qui est finalement entre guillemets à la même hauteur, hein, même si le développement est un petit peu plus fourni, qui est lui un de l'automne dernier, hein, donc 2020. Donc vous voyez que c'est identique. Donc, alors bien entendu, pour les semis d'automne, on va changer la procédure si on en refait. Parce qu'elle n'est pas bonne, on va dire, et qu'évidemment il faut plus de chaleur de façon plus continue, sans aucun doute, et peut-être ne jamais les sortir dehors pendant la période hivernale, même s'il y a du soleil, même s'ils sont en plein soleil. Ceci dit, en ce qui concerne les semis comment dire, tardifs, hein, on peut constater qu'ils se développent très 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 bien. Alors du coup, quand j'ai vu ça, j'en ai ressemé. Alors vous avez là un plant qui date de juin, lui, hein, semé en juin, hein, en tube, et vous en avez un autre ici. Là aussi, semé en tube en juin. Quand j'ai vu que ce semi-précoce-là sortait bien et se développait bien, je me suis dit, ben, on va ressemer. On est un peu trop tard, bien sûr, puisque celui-ci était déjà sorti quand les autres ont été semés. Mais quand même, hein, on voit bien que le développement est parfait, quoi. Donc là aussi c'est à méditer. Les températures ont été bonnes assez tôt cette année, même si ça a été dur tard, ça a été bon tôt. C'est-à-dire qu'en fait même effectivement s'il a fait froid, ça n'a jamais gelé après. Au mois de juin ou même pour une bonne partie du mois de mai. Donc ben ça aussi, ça sera à retenir, voir un peu, peut-être semer très tard, en faire des tôt, en faire des tard, en faire un peu de tout. Je vous montrerai aussi un autre endroit, mais plus tard, parce que sinon je vais encore m'embarquer dans une vidéo complexe et compagnie, ça me gave. Donc on va s'en tenir là pour celle-là. Hein, avec, vous voyez, dans ce coffre, il illustre bien les différents stades de croissance en fonction des semis. C'est ça que je trouve intéressant. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, comme l'endroit où ça a été repiqué pour ce qui est des spontanés, ou l'environnement pour ce qui concerne les semis très précoce de l'automne dernier, et la concurrence avec d'autres cultures. Donc, mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo, c'est pas la peine de charger celle-là. Donc nous, ce qu'on retient en fait, tiens d'ailleurs, il y a une tomate mûre là, une tomate mûre, ouais elle est mûre, parce qu'elle pète là,
sur un semis de l'automne 2020. Mais vous voyez que quand même, c'est pas ce que ça devrait être. Effectivement, elle est mûre, on va pouvoir la manger, mais le plant, lui, c'est pas ce qu'il devrait être. Et avant qu'il refasse des fleurs, à mon avis, on peut l'accrocher. Donc là aussi, il y aura à méditer là-dessus et à modifier un certain nombre de paramètres. Le paramètre immodifiable étant la surface intérieure que l'on peut consacrer au semis. Alors pas tant au semis, parce que les semis, c'est pas un problème. Le semis en tube, ça prend pas de place, vous le savez. Mais à la croissance. C'est-à-dire, si une croissance normale pour une plante semée à l'automne, pour une tomate semée à l'automne, ça va vite devenir envahissant 2-3 mois ou 4 mois plus tard, si c'est géré dans des conditions optimales. Le plant, il va se développer normalement. Et nous, on n'aura pas la place de gérer beaucoup de plants développés normalement. Donc, on va réfléchir à la question. Est-ce qu'on va essayer d'y consacrer une place supplémentaire pour voir ça un peu. Sachant que de toute façon, on va aussi consacrer des semis limites. Ce que j'appelle les semis limites, c'est-à-dire des semis, essayer de faire des semis pile poil, quoi. C'est-à-dire en fait, qui vont faire une quinzaine de centimètres, un truc comme ça, ouais, 15-20 centimètres au moment optimal où on pourra les mettre dehors. Parce qu'a priori c'est ça qui va le plus vite, donc en fait ça serait plutôt, sachant qu'on n'a pas quand même expérimenté les semis hivernaux dans les meilleures conditions, mais sinon oui des semis spontanés comme on les voit là et qui poussent très bien, c'est quand même intéressant aussi, parce que c'est un peu le but de notre potager, c'est de ne rien faire, hein, que tout se renouvelle automatiquement. Mais voilà, donc il faudra l'année prochaine laisser beaucoup de tomates ou beaucoup de graines, d'ailleurs, hein, semer beaucoup de graines pendant l'hiver, dehors, et qui vont, espérons-le, se développer spontanément, et voir ce que ça donne. En plus des semis, comme je dis, limite, c'est-à-dire au bon moment, pile au bon moment, c'est-à-dire peut-être 1er mai ou 15 mai, un truc dans ce goût-là, et comparer tout ça. Hein, voilà. Voilà. Bon, à côté, ça n'a rien à voir avec la tomate, hein, c'est toujours ce plan de patates gigantesques avec de très jolies fleurs d'ailleurs. Ah, j'aime beaucoup les fleurs de patates, je trouve que c'est très sympa. Alors que j'avais cru tout récolter l'an dernier, ben non, j'ai dû en oublier en terre. Est-ce que c'est, oui, j'ai oublié une patate, hein, ça c'est sûr. Alors il m'envahit tout, il m'a tué au moins un plant, ou deux plants de tomates, mais enfin c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Et derrière, je crois qu'en plus, il doit y avoir un plant, mais je sais pas si c'est du rougeant, ah oui, il y a un plant d'avocat qui s'est redéveloppé, là. Un plant d'avocat, derrière vous le voyez aussi un plant de tomates, mais qui lui est complètement phagocyté par la patate. Et en plus, il est coincé entre l'avocat et la patate, donc il n'a aucune chance de se développer. Alors là, c'est un autre. Ça va devenir une autre tentative de faire survivre un plant d'avocat dans un autre coffre, dans d'autres conditions que l'année dernière. On verra, ça m'étonnerait beaucoup. Mais bon, en tous les cas, ça prend bien. Ça ne sert à rien, mais ça prend bien. Et celui-là, ouais, il va être plein de fleurs. En plus, là, il y a encore des fleurs. Plant de patates. Vous en avez là-bas encore. Ah, il est magnifique, hein, si. Vous vous rendez compte, l'expansion d'un plant de patates qui, quand il est dans de bonnes conditions, c'est impressionnant. Hein. Ça tient 3-4 plants de ceux qui sont à l'extérieur. Hein. Là, vous avez encore de la fleur, là, qui est fanée. Mais il y en a eu dans tous les coins. Voilà. Donc, c'est terminé sur cette vidéo, qui n'est évidemment pas courte, qui aurait dû être courte, mais au moins elle sera d'un seul tenant. Donc, pour moi, ça sera court dans le temps à gérer et à monter. Puisqu'a priori, il ne devrait pas y avoir beaucoup de montage. Et sur la différence, donc quand même, c'était le but initial, entre un semis spontané, hein, je le rappelle, il est là. Celui-là, il est sorti tout seul. Hein, il est sorti tout seul et il ne s'est pas fait bouffer au départ. Hein, voilà. Derrière, un semis de l'automne, qui est au même niveau, mais qui n'a sans doute pas poussé, on ne l'a pas sans doute fait pousser dans les conditions optimales. Et après des semis de la fin de l'hiver, qui eux sont
et c'est normal, un petit peu mieux développé. Celui-ci ou celui du fond. Mais la différence n'est pas flagrante. Elle existe, mais elle n'est pas flagrante et pas, il n'est pas dit que le semi spontané ne batte pas au final. Bon, le semi de l'automne, c'est sûr. Les semis d'hiver, c'est presque aussi quasiment certain. On se quitte là-dessus et sur ces bonnes paroles. Et puis à la prochaine. Salut!